Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode du Noël des barbus. Aujourd'hui, j'ai pas vraiment rangé, donc j'ai rien à vous offrir. Mais on va ensemble tirer les gagnants du kit lumière et surtout du OnePlus. Vous avez été nombreux à laisser un commentaire sur la vidéo, sur la dernière vidéo du Noël des barbus. Alors déjà, je dis... les liens sont dans la description, mais en fait, j'ai oublié de mettre les liens. Je suis désolé, pour le prochain, je ferai attention et j'essaierai de mettre vraiment le lien. Mais c'est moi qui vais désigner celui qui va gagner les deux éléments. Pour le kit lumière, j'ai reçu des mails et des commentaires, mais un mail m'a particulièrement tapé dans l'œil, puisqu'il a mis des photos de sa grotte. Et donc, c'est Julien. Julien, je vais t'envoyer un mail, et c'est toi qui as gagné le kit lumière. Je vous mettrai des photos, mais il a fait des French clits. Il s'est même cousu un portefeuille en cuir. Bravo. On n'attend plus que les vidéos qui vont avec. On va les regarder ensemble. Enfin, ensemble, non, c'est moi. Les commentaires, et je vais en prendre un au pif pour le OnePlus. Alors, je vais pas faire par rapport au nombre de upvotes ou un truc dans ce genre-là. Je vais en prendre un au pif qui me plaît bien. Il y en a un qui veut essayer de développer des apps avec. Alors, t'es pas obligé d'avoir un téléphone pour développer des apps. Il y a des émulateurs qui font ça très bien. Ah, alors j'en ai trouvé un qui est intéressant. Damien Hertz, qui avait conseillé un OnePlus à son beau-père, et apparemment il y a un problème. Donc en gros, il a une batterie, mais un téléphone qui marche pas. Moi j'ai un téléphone qui marche, mais la batterie qui déconne. Voilà. Les deux gagnants, c'est Julien pour le kit lumière et Damien Hertz pour le OnePlus. Je vous contacte tous les deux. Damien, je t'envoie ça par la poste d'ici peu. Et Julien. Je te contacte aussi pour que tu viennes à la maison chercher ton kit lumière. Il risque d'y avoir encore des choses à gagner dans pas longtemps, mais pour l'instant, j'ai pas eu le temps de ranger vraiment. J'ai mon coin qui est par là, que vous voyez pas, où je vais monter une petite table qui va me servir de table à dessin. Et donc, je risque d'avoir d'autres choses à vous proposer. En tout cas, un grand merci à tous ceux qui ont laissé des commentaires, un grand merci à tous ceux qui ont envoyé des mails. J'ai toujours pas trouvé de moyen vraiment juste, entre guillemets, de faire gagner des choses aux gentils barbus. La vie est injuste, donc voilà. Julien, Damien, bravo. Merci à tous les autres d'avoir participé. Ce que j'ai vu aussi, c'est qu'apparemment, le principe du kit lumière, c'est quelque chose qui branche pas mal de gens. Et je risque de faire, dans quelques semaines, un épisode sur justement comment fabriquer un pseudo kit lumière quand on n'a pas une thune. Ou quand on a un budget qui est vraiment serré. Acheter un kit lumière, c'est bien, mais on peut se le faire soi-même, bien sûr. Comme d'habitude, tu as des questions, des insultes, tu sais comment faire. Tous les liens pour me joindre sont dans la description. Tu peux évidemment laisser un commentaire et bien sûr, tu t'abonnes. Tu peux aussi, comme Romuald, aller cliquer sur le lien Utip qui est dans la description, aller regarder une petite publicité de 30 secondes, et ce qui nous permettra de nous faire un petit peu de pognon et te proposer des épisodes encore plus géniaux. Voilà, c'est tout pour cet épisode tirage au sort gagnant du Noël des barbus. Bien sûr, bien d'autres Noëls vont arriver. En attendant le prochain, faites des trucs, inspirez-vous et que la barbitude soit avec vous.